Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle Loser Killer's Life, car effectivement, il faut bien montrer à ce petit cacou de Shadow là que c'est le chef, hein, que c'est le patron, elle patronne, j'ai envie de dire, hein, en espagnol, voilà. Alors, donc lui montrer un peu que c'est le chef et donc lui montrer qu'effectivement, bah, même s'il a 18 Shadow's Life à son compteur, eh bien je peux faire plus que lui, ou même l'égaliser, et donc ce sera le cas avec cette vidéo. Voilà, car effectivement j'ai fait des petits achats, donc il faut savoir que j'ai reçu de l'argent il n'y a pas très longtemps, enfin j'ai même envie de dire hier, et il n'y a presque plus rien aujourd'hui. Donc comme ça c'est fait, hein, voilà, hein, on a encore fait son homme, j'ai envie de dire, en clair on a encore fait n'importe quoi, parce que c'est bien connu, souvent l'homme fait absolument n'importe quoi, et bien sûr je ne déroge pas à cette règle. Et donc voilà, donc l'idée c'est qu'hier déjà, donc oui, l'argent, bon, je devais rembourser Shadow et Sub pour son lot, donc déjà au revoir. Et ensuite, eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'il me fallait un set Dragon's Universe. Il était genre à 43 euros sur Amazon.fr, alors qu'il coûte de base 10 euros. Donc j'avais un peu les boules. Et heureusement que j'ai pas fait trop mon débile, car j'ai fait un peu une recherche et je l'ai trouvé à 20 euros avec les frais de port. Enfin, mais un peu moins, 18 euros là, c'est pour ça. 18 euros avec frais de port sur eBay. Voilà, donc j'ai pu le commander moins cher et donc ça m'a fait plaisir. Et après, quand je suis revenu sur Amazon.fr, eh bien, il y avait un set que j'attendais depuis longtemps qui était enfin dispo en stock. Donc, je l'ai aussi commandé et donc ça fait que bah, ma collection Dragon's Universe eh bien, se complète de jour en jour et bientôt il ne me manquera vraiment plus beaucoup de sets du tout, hein, voire même plus aucun set si ce n'est un set vraiment ultra rare qui est une figurine exclusive sortie en 2010. Mais ça, j'y crois pas trop. Voilà. Et donc ça fait qu'aujourd'hui, eh bien, je voulais. Déjà, hier je suis sorti et à Colruyt, j'ai vu un set qui m'intéressait, car souvenez-vous, à Colruyt, on avait vu donc un espèce de grande surface. On avait vu donc les nouveaux petits sets 2011 Dragon's Universe Wave 2. Souvenez-vous, on avait acheté un Speeder et deux dragons. Voilà. Et donc hier, quand je suis repassé, ils avaient mis en stock deux nouvelles boîtes. Et plus particulièrement, celle-ci. Et donc hier, j'avais pas l'argent sur moi, donc je pouvais pas me payer. Et donc, bah, c'est chose faite aujourd'hui. Donc je suis allé à Colruyt avant tout pour me payer ça. Donc le Bloodstone Rider, je sais pas si on montrera, si on le montrera ou pas dans cette vidéo. On verra bien. Car effectivement, il y a d'autres choses à ouvrir dans cette vidéo-là. Car Colruyt a aussi reçu des paquets de 5 Swarm Dragons. Donc ça, il faut savoir que vous avez eu une review il y a quelque temps du set qu'on avait acheté avec Shadow. Mais moi, entre-temps, bien sûr, j'ai fait la collection et j'en ai même acheté plus en fait pour avoir des cartes ou des dragons qui me manquaient. Voilà. Et donc ce qui fait que j'ai pas encore toute la collection disponible. Et quand j'aurai toute la collecte, donc tous les dragons, enfin ça c'est. Ouais, non, j'ai pas encore vraiment. Tous les dragons, toutes les cartes et tous les œufs, eh bien, je ferai une grosse vidéo, un gros web show là-dessus. Voilà. Mais donc, ce qui fait que pour l'instant, je me suis dit que bah, j'allais continuer à en acheter. Et en fait, précédemment, je pense que j'en achète encore 2-3 et voir si j'ai ou pas les cartes. Et si j'ai pas ce qui me manque, eh bien, je le demanderai sur le forum Blox, c'est un forum de fans de Megabox. Donc, je demanderai de les acheter à des membres qui les ont tout bêtement. Voilà. Et donc, c'est vrai que ça, en fait, je savais pas savoir si j'ai acheté parce que l'achat logique et responsable du jour, c'était en fait bah, d'acheter juste ça, quoi. Et alors, avec un peu l'aide de ma mère qui est aussi responsable que moi, ce qui fait que je sortis du magasin avec un pack de dragons. Deux packs de dragons et trois packs de dragons, ce qui n'était pas très très responsable à faire. Et au final, bah, la seule chose dont je suis sûr, c'est qu'en fait, bah, les œufs ici, je les avais pas avant. Donc les œufs, c'est déjà gagné. Mais après, il est possible que j'ai mis, on va dire, 30 euros, c'est qu'on disait aux unités, 30 euros dans le vent. Si j'ai les mêmes dragons transparents, il me manque deux en tout, il faut savoir ça. Et si j'ai aussi toutes les cartes, je n'ai aucune nouvelle. Donc en clair, ça se trouve, je vais faire du complètement débile. On verra bien, et donc c'est pour ça que je disais qu'en fait ça c'était un peu mon dernier achat, je pense, au niveau des packs de dragons, et si j'ai pas les choses qui manquent, eh bien j'irai demander individuellement sur le forum de Blox, voilà, parce que bon, hein, j'ai pas non plus, j'ai bien beaucoup de dragons, mais dépenser à chaque fois 10 euros, ça commence à revenir à beaucoup, donc on verra bien, hein, je promets rien, mais je pense que plus logique sera de tourner la page et d'aller me payer les choses individuellement, au lieu de, voilà, d'acheter à chaque fois plein de dragons, j'ai déjà, parce que tous les dragons communs, tout ça que vous voyez dans les bulles, je les ai déjà, hein, j'ai déjà tout. Il faut savoir en fait que j'ai acheté donc une première fois toutes les références, il y a 6 références en tout, et donc j'ai acheté d'autres sets que j'ai déjà, donc j'avais déjà acheté une 900, enfin une 95-137, donc là c'est ma troisième 95-137, par contre là c'est ma seconde 95-106 et ma seconde 95-108, pas que ça change grand chose, car au final les seuls éléments qui manquent sont aléatoires, voilà. Néanmoins, il faut savoir que je m'étais fait arnaquer avec les packs que j'ai achetés parce que à l'époque c'était que disponible à Maxi Toys et le problème en fait c'est que à Maxi Toys ils ont eu des problèmes de packaging, je vais dire ça comme ça, et donc ce qui fait qu'en fait à chaque fois il y avait une carte rare
qui était la même, on va dire ça comme ça. Et donc, ce qui fait que bah, je me suis tapé environ des triples d'une carte, même des quadruples d'une carte, quand il y avait que celle-ci dans le paquet, en fait. Et c'était une erreur du customer service, voilà. Donc, bah, j'ouvre ça en direct. Alors, il faut savoir qu'en fait, ça, j'ai jamais ouvert ça en direct. Car souvent, bah, j'allais me connecter sur MSN et puis j'allais parler à mes. J'allais l'ouvrir en direct devant, par exemple, bah, 633 devant Shadow, voilà. Ce genre de choses-là. Et aussi parce que comme ça fait que si je me. J'ai rien de nouveau, au moins, vous n'avez pas une vidéo, je suis deg à la fin. Parce que je sais que vous n'aimez pas me voir deg, hein, vous aimez me voir content en train d'acheter plein de sets sous votre moustache. Si vous avez bien sûr une moustache. Enfin, je rigole, mais voilà, on va dire que là, c'est vraiment qui tout doux parce qu'en plus, bah, forcément. Autant avant, quand j'achetais toutes les références, j'avais forcément des dragons communs que j'aimais pas auparavant, j'avais forcément une nouveauté. Mais là, maintenant, c'est vraiment tout sur les éléments au hasard au final. Et Dieu sait que ces packs-là, c'est vraiment le hasard, quoi. Donc, ouais, ils sont disponibles à Maxitoys et à Colruyt maintenant. Et si vous les trouvez ailleurs, et bien faites-moi signe. Parce que j'aime bien dépenser à chaque fois une tisserole du vent. Non, enfin, je ne sais pas. Je prends ça un peu plus rapidement aussi, parce que bon, pas comme si les bois j'en avais vraiment besoin. Donc, j'ai pas à vous enlever les quatre dragons là, car c'est des dragons communs. Donc, bah voilà quoi, je peux vous les montrer un peu. D'ailleurs, lui il est magnifique, qui revient dans à peu près tous les sets. Hein, donc, voilà, lui j'ai aussi en quadruple. Donc, attendez, donc, il est donc premier paquet. Donc, oui, je pense qu'on fera quand même un peu de construction avec le Boost Raider après, tout à fait. Pour pas que vous soyez venu pour rien. Donc je sais pas trop ce qu'on va ouvrir en premier. Les cartes, les œufs. Donc j'aurais fait sorte que l'œuf noir gris très foncé, enfin il est plus noir que chose. Il est noir un peu doré. Il me rappelle le chemin de couleur de Chaos Sorcerus que j'ai revu récemment. Donc oui, j'avais pas, voilà. Donc on va faire le dragon. On va bien voir ce qu'on a. Donc l'idée c'est de fermer les yeux. Bien sûr, l'ouverture facile, mais pas facile. Donc, je vois pas ce que j'ai. Et donc, est-ce que c'est un nouveau? Je ferme les yeux. Et c'est pas un nouveau. Donc, premier paquet fail. Car effectivement, le orange, je l'ai déjà. Et je l'ai déjà pas mal de fois d'ailleurs, en fait. Hein. Il faut le noter. Donc, là, j'espère juste que je me suis pas appris un autre problème du QC où je vais me taper à chaque fois le dragon orange. Ce serait assez décevant, vous voyez. Enfin, bref. Donc, ça, effectivement, c'est l'orange que j'ai déjà. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la chose aléatoire auquel il manque des choses, c'est effectivement, maintenant, on va voir le paquet de cartes et voir un peu ce que j'ai dedans. Donc, paquet de cartes, il me manque avant tout des cartes de dragon transparent, donc des cartes comme ça, vu que, comme je disais, il y a eu une erreur, donc en fait, ça fait que j'ai eu que des cartes de Rage Orzhus et Rage Kai. En plus, ils ont des noms très appropriés, un hein, Rage, voilà, donc quand t'as 4 fois la carte, effectivement, tu rages, hein, ça, on peut le dire. Voilà, donc à nouveau un petit orange. Un petit orange, voilà. Oh, il est mignon. Mais j'ai déjà 4 fois. Et maintenant, à passer aux cartes. Donc, on veut bien. Je lui remove bien le sachet, mais là, je crois qu'il y a... Non, on n'ouvre pas bien le sachet, visiblement. Hein, il veut pas. Parfois qu'il me fait ça, tiens, qui se démonte et qui se brise dans tous les sens. Donc, qu'est-ce que j'ai? Bon, alors, bon, Crash Tide, je l'ai déjà. Fierce Glass, je l'ai déjà. Trash Glass, j'ai déjà. Purging, j'ai déjà. Assault Exgallica. Oh putain, oh putain. Alors là, je suis content. Là, ça déconne plus. Voilà, donc ça, je les avais pas. Les deux déjà. Assault Exgallica qui est magnifique. Et Trash Glass qui est aussi super belle. Je l'avais pas non plus. Voilà, donc 10 euros, 2 cartes, un œuf en gros. Hein. C'est ce qu'il faut retenir. Mais là, je suis content. Déjà, ça commence bien. Bon, après, pas sûr que ça continue bien, mais au moins, ça, je suis content, ça c'est fait. Ça, c'est fait sur la checklist. Alors, je vais vous la sortir, la checklist. Ah ouais, donc, longue vidéo live, mais de toute façon, les vidéos, il va falloir en faire, hein, si j'avais de l'argent. Donc, comme ça, c'est vite vu. Donc, de toute façon, les vidéos, il y en aura une chier, hein. Il y en aura plein la semaine prochaine, je pense. De ma part, pour le Festibrick aussi. Festibrick, j'aimerais bien vous en parler, mais ça ferait un peu hors sujet là-dedans. Donc, bref. Donc, voilà, donc ce qui me manque en fait, il manque juste cette carte-là en commun, donc ça s'appelle Slash Vosa. Après, donc en rare, il me manque, bah, il me manquait, on va dire, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci, voilà.
Il faut noter que ça, Skyrim ne compte pas car elles apparaissent pas, elles doivent être prévues pour une autre sortie, mais forcément, comme le thème s'arrête, bah ça dégage. Et il me manque aussi 1, 2, 3, 4 cartes comme ça à Salt, et il me manque aussi cette carte-là, secrète rare. J'ai déjà l'autre, j'ai beaucoup de chance, donc voilà. Allez. Donc ça, c'est le premier paquet, on va mettre ça de côté. Avec les petites cartes, je suis très content parce qu'en plus j'aime beaucoup Assault Exilica. C'est vraiment un Master Dragons qui a. Bah, j'ai commencé à apprécier au fur et à mesure, quoi. Donc je suis très content de l'avoir. Voilà. On va voir le second paquet. Et donc, oui, comme je disais, la semaine prochaine, normalement, j'aime pas trop parler des sorties car souvent, quand il y a un fail, après, on a un gros débile. Mais globalement, on va continuer, enfin, on va reprendre Exoforce plutôt, les modes alternatifs. On a bien pour 2 à 3 semaines, hein, je pense, encore de modes alternatifs, là, avec 2006, 2007 et d'autres petits bonus que je vous prévois de derrière les fagots, voilà. Et on a aussi donc les vidéos du Festibrick, car on a fait quelques revues là-bas. Avec des membres qui voulaient qu'on revoue leur moque, ou certains qui voulaient juste qu'on se moque de moque, oui. Voilà, qu'on plaisante sur des moques d'autres personnes. Il y a 7 revues en tout, enfin 7 vidéos en tout. Donc cette vidéo, ça fait pile une semaine, donc on verra un peu comment on upload ça. Je sais pas si Shadow arrivera à tenir le rythme d'une vidéo par jour, vu qu'en plus elles seront sûrement assez lourdes, et qu'il y a aussi d'autres choses à faire, il faut bien le dire. Mais voilà, on verra. Ok, c'est ouvert. Un peu chaotique. Donc là, en neuf, il me manquait le vert. Donc une espèce de vert, ouais. Et il me semble que le doré, j'ai déjà normalement, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Allez, on y croit. Donc ouais, il me manque deux dragons. Transparents. C'est Strikevosa et Red Exo. C'est deux bleus. Et je me tape un Chaos Orgus. Pas de chance. Donc Chaos Orgus, bah, j'ai déjà quelques fois. Parce que je me sens que c'est Chaos Orgus celui-là. Non, j'ai peut-être une connerie là, en fait. Enfin, je regarde sur mes cartes. En plus, faut le monter, quoi. Tu vois, t'as pas eu le dragon que tu voulais, et en plus, faut quand même le monter en enfonçant les trucs, tu vois, c'est genre là, un peu une espèce de torture. C'est pas très très sympathique, quoi, j'ai envie de dire. Par contre, la peinture est vachement belle sur celui-là. Je me rends compte que les lignes, elles sont vraiment bien peintes. Soit c'était déjà le cas auparavant et j'ai rien capté et tout, mais là, il me semble elles ressortent vraiment bien, quoi. Enfin oui, si vous voulez savoir, vu que c'est vrai qu'on a. Cette semaine-là, c'est assez Dragon Universe. Bah, il manque plus beaucoup de sets, comme je disais. Donc en 2010, il me manque à l'heure actuelle que bah, le personnage spécial, un Captain Niveus, donc un set vraiment très spécial, très rare. Hein. Donc il manque que lui. En 2011, vague 1, normalement, il ne manque plus rien. Enfin, j'ai commandé donc, le dernier set qui manquait, qui est le pack de figurines. Mais normalement, après ça, il ne manque plus rien. Donc on va juste attendre que tout se passe bien, que je le reçoive avant de crier victoire trop vite. Et en 2011, vague 2, alors qu'est-ce qui me manque? Bah, il me manque, là encore, donc j'ai commandé un des sets qui me manquait, donc on va attendre de le recevoir avant de créer victoire. Par contre, il me manque trois sets petits, donc c'est des petits dragons, enfin des Primal Dragons, voilà. Pas de cette taille-là, ce que j'appelle micro en fait, moi. Donc voilà, des petits dragons, il me manque 3. Et il manque aussi, parce que Megablocks va sortir des sachets de micro-dragons comme ça. Et donc, bah, forcément, il manque les 8 dragons qui sont sortis dans ces sachets-là. Les sachets ne sont pas encore disponibles, ni aux US, ni en France. Mais il me semble qu'Amazon va peut-être les avoir, vu qu'ils sont listés une référence un peu bizarre. Donc, Burjin, j'ai déjà. Chaos Orgus, j'ai déjà. Post Gash, j'ai déjà. Crash Cage, j'ai déjà. Burstvosa et Shockvosanu. Est-ce que vous avez cela? Ça me dit un truc, mais je suis pas. Bah non, non, je suis con déjà. Burstvosa, je l'avais pas, et elle est assez belle. Donc voilà. Ah, celui-là. Donc déjà, ça, j'avais pas. Donc je suis un peu con, faut que je me réveille. Mais par contre, c'est des choses que vous avez qui me nerve, vu que le dessin est un peu laidos, hein. Et donc, ils ont plusieurs dessinateurs de les faire, et au final, ça fait qu'on a un truc un peu spécifique. Donc est-ce que j'avais ou pas ça? Ah non, je l'avais pas non plus, tiens.
Donc, j'aurais presque tout complet si j'avais slash Vosa. Donc voilà, ouais. Il nous reste un paquet à ouvrir. On va bien voir ce qu'on a. Ça, voilà, ça fait 4 cartes de plus pour la collection. C'est pas dégueu. Comme ça. Voilà, donc je vais remettre ça en loose par-dessus, je suppose. Et enfin, le dernier. Donc, longue vidéo, hein, je l'avais dit, hein, mais bon. Ouais. Faut bien faire une longue vidéo pour battre Shadow, quoi. Enfin, pour égaliser plutôt. Et je suis sûr qu'il va encore, il va me devancer si il sort sur Paris cet après-midi. Et qu'il ramène des trucs, Shadow ramène toujours des trucs. Ça, il faut le dire. C'est une vérité vraie. Il ramène toujours des trucs, donc. Par contre, lui, il n'achète pas pour 30 euros de même set, ce qui est quand même un peu plus intelligent. Et par contre, il achète des trucs qu'il trouve tout pourri après, donc au final, hein, c'est assez gagnant-gagnant, j'ai envie de dire. C'est quoi ce packaging qui est super chiant en vrai? Tu te fais des œufs. Donc là, par contre, j'avais pas d'œufs qui manquaient, j'ai déjà le rouge, si je dis pas de bêtises. Le vert, bah, vous venez de le voir, donc bah, logiquement, voilà. Allez, on continue. Hein. Donc, ça très passionnant. On va ouvrir ça et on va croiser les doigts. De toute façon, bah, en fait, le truc, si vous voulez, j'ouvre et je vous parle après. Allez. Et je l'avais déjà. J'avais déjà aussi Blazing Rue. Par contre, c'est un très beau dragon, Blazing Rue. Il a beaucoup de détails. Il a plus de détails que les autres, en fait. Au niveau des pattes, tout ça, des pointes qui sont peintes. Ah, il me semble, hein. Ouais, les autres sont transparents, lui il est vraiment bien peint, quoi. Donc ça ne dérange pas, en plus je pense que c'est un dragon que des gens voudront. Quoi que tu me diras, je préfère acheter qu'échanger, en fait. C'est comme ça je me dis, si je les ai, c'est toujours utile pour faire des dioramas, même si encore, comme tous mes projets dans ma tête, ça prend du temps, il faut s'y mettre, et c'est pas, voilà, quoi, c'est pas super aisé. Donc oui, je disais en fait que le truc, c'est pourquoi j'en ai pris 3. Tout bêtement, car Colorit en avait 3 en stock, et je suis sûr, en fait, si vous voulez, que si j'en avais pris un seul, et donc que j'avais pas eu ce que je voulais, je me serais dit, oh là là, je me demande ce qu'il y avait dans les autres paquets, tiens. Donc comme ça, en achetant les 3 qu'il y avait de disponibles, enfin pour l'instant, à moins qu'ils en mettent en rayon, hein, eh bien, comme ça au moins, je suis sûr de me dire, j'ai tout acheté, donc je sais exactement tout ce qu'il y avait, et je ne suis pas déçu, je ne commence pas à culpabiliser, voilà. Mais bon, c'est quand même un raisonnement un peu à la con, hein, mais c'est l'idée, quoi. Ouais, je me rends compte, ouais, que c'est astronomique, la somme que j'ai dépensée là-dedans. Franchement. Mais c'est une méga bloc, je ne vous remercie pas. Tu me diras si je les remercie juste pour terminer le thème en 2011, comme ça, ça fait que j'ai rien acheté en 2012 New Dragon's Universe. Mais comme Lego arrive avec ses gros sabots et plein de nouveaux thèmes intéressants, hein, Ninjago 2012, Dino encore, voilà quoi. Après, c'est un peu temps de grandir aussi, et de passer à autre chose. Donc on verra bien, hein, ce qu'on fait avec les Lego et puis on... Voilà quoi, pour l'instant, Hero Factory, hein, bien sûr, qui commence à devenir assez intéressant, hein. Donc, qui commence à m'intriguer. Moi, je marche par phase, au début, j'en ai rien à faire, puis... À quelques semaines de la sortie, quand même, l'excitation commence un peu à monter. Donc, Pulse Glass G, Red Kai G, Bastezo G, Fangizo G, Blizzard Glaragon, je ne sais pas du tout si j'ai, et Rajorzus, bah, je l'ai déjà 4 fois, donc voilà. Mais Blizzard Glaragon, il est possible que je l'ai, hein, je ne sais plus du tout. Je sais pas. Donc, ça veut dire 5 nouvelles cartes et 2 nouveaux œufs en tout. Et non, j'ai pas Blizzard Glaragon. Et ça fait qu'en fait, j'ai une série complète maintenant, vu que j'ai eu Trash Glass, souvenez-vous, au début, voilà. Donc j'ai tous les blancs, et bah le reste devrait attendre, je pense. Hein. Bah, c'est pas trop mal, quoi. On évolue au fur et à mesure. Bon, après, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai un autre Colorit dans une ville à côté de chez moi, donc je crois qu'ils ont genre 1 ou 2 packs. Bon, voilà, hein, non, j'ai plus d'argent, non, on arrête là, on arrête de faire son homme, de faire n'importe quoi, ce sera pas trop dégueu. Et allez, puisque je suis fou, hein, quand c'est la construction du set, hein, tout à fait, autant faire une petite life entièrement consacrée à nos amis les Dragons Universe.
J'ai pas vraiment de commentaires sur les vidéos, donc je suis pas non plus trop un fan des commentaires, je veux dire, je m'en fiche si vous postez des commentaires ou pas. Mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment eu de commentaires sur Dragon's Universe, donc je me demande si vous aimez ça ou pas. C'est vrai qu'après tout, ma chaîne est avant tout consacrée au Lego de base, bah, Bionic puis Refactory, donc je comprendrais que ça fasse un peu décalé. Mais bon. Moi, c'est vraiment un thème que j'apprécie beaucoup, hein, sinon, genre, je ferais pas autant de choses. Mais c'est vraiment le thème, on va dire, avec des briques système, donc des briques normales, auxquelles j'ai vraiment accroché cette dernière année et demie, quoi. De fin 2010, tout 2011. Même devant les thèmes de Lego, quoi. Même devant Hero Factory, j'ai envie de dire Hero Factory, j'ai rien contre, contrairement à certains qui vouent une haine particulière au thème. Je veux dire, j'ai pas spécialement envie du retour de Bionic, mais rien. Mais, bah d'ailleurs, oui, d'ailleurs, on voit Bionic, là. Un bouquin. Mais après, je trouve pas non plus ça super attirant, quoi. C'est un peu mou du genou, quoi. Non, par contre, je tiens à dire que Megablock, c'est un peu tout mou, car de base, dans les totos, n'importe quoi, dans les photos du Toy Fair, le véhicule des méchants, enfin des prédateurs humains, c'était vraiment une espèce de turbine avec des ailes dessus, quoi. Vraiment, le mec, ils m'ont fait une espèce de turbine, un truc de fou furieux, et il y avait des ailes et des armes autour. Et au final, là, je me rends compte qu'ils sont pas trop foulés, car bah, ils vont reprendre la base qu'on a vue pour Azure Striker avec cette base en L, voilà, tout bêtement. Donc je comprends pourquoi, mais ça, d'un autre côté, c'est un peu dommage. Après, je me demande si les véhicules du set un peu plus gros vont reprendre les mêmes bases ou pas, ou s'ils seront un peu plus proches des véhicules à réacteur, même si je pense très sérieusement que non. Au final, là, tout ce qu'ils ont fait, c'est changer les couleurs et en fait inverser la position des armes par rapport au Azure Striker. Au Azure Striker, les armes sont à l'arrière, donc là, elles sont à l'avant. C'est tout ce qu'il faut retenir globalement. Et bien sûr, un schéma couleur qui est différent. Donc, on va mettre des pièces comme ça, donc des pièces pointues avec deux tenons au-dessus. Hein, voilà, donc déjà, par contre, avant, on va à nouveau recaser nos pièces qui servent à ajouter un peu de surface, qu'on ne mettra pas de réacteur à l'arrière, donc comme ça, c'est vite vu, hein. On ne comprend pas trop l'utilité de la pièce, si ce n'est à rajouter des formes, je suppose. Non, mais je suis un peu débile déjà. Comme ça. Le fameux siège moulé qui rend très bien en noir. Enfin, c'est une espèce de noir, une espèce de petite paillette dedans, c'est un peu spécifique, quoi, c'est pas noir noir, donc c'est un peu dur à définir comme couleur. Enfin, oui, tu me diras, je peux juste dire noir avec des petites paillettes dedans, mais bon, c'est un peu ridicule, voilà quoi. Donc on met ça comme ça. Ouais, plutôt que comme ça d'ailleurs. Mais comme ça, oui, ok, d'accord, bon, je vais encore faire des bêtises. Hop là. Là, je mets ma pièce, fameuse pièce avec des tenons au-dessus et en dessous. Par contre, je vais mettre une grosse pièce en dessous. Je ne sens pas que c'était le cas auparavant. Donc, cette grosse pièce-là. Qu'on va caser telle quelle. Voilà. Et au final, maintenant, on est bientôt à la fin car on va casser les armes déjà, ce que je vois. Donc, on va mettre les corps qui sont rouges, très classe. Les armes sont les mêmes que celles du Azure Striker. Je me rends compte que l'arme est aussi la même que celle du personnage de l'Alliance. Bien sûr, on va avoir nos. Ah, quoi, je sais pas. Ah, si on avait aussi les deux lasers. Bon, voilà, de toute façon, c'est Mega Bloks, hein, c'est très symétrique. C'est très carré. Donc, ce que tu retrouves sur un set, tu retrouveras sur l'autre set de la même taille, quoi. Et ça, on a l'avant, effectivement. On est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on a des pièces comme ça. Voilà. Je pense que lui, il va rendre très bien, si vous voulez mon avis. Enfin, il est bien parti pour avoir une bonne gueule, je trouve. Tiens, bah, si vous voulez rester avec moi un peu vers la fin, je pense qu'on déballera vite fait les dragons et on fera une belle photo de groupe si vous le voulez. De toute façon, après, vous pourrez partir, quitter la vidéo si vous voulez aussi, parce que bon, on aura tout dit, mais bon,
J'aime bien faire des photos de groupe, ça c'est cool. Ah, j'ai oublié qu'on met aussi des petites pièces comme ça. Là, il me semble que c'est des pièces qu'on trouvait sur les Warthogs, ça, sur les... au niveau des vitres. Mais ça, ils ont dû changer, il me semble, avec le nouveau Warthog qu'on avait vu avec l'Evas Last Stand. Enfin, que vous allez voir qu'effectivement, on a fait une revue, une vidéo construction de l'Evas Last Stand, qui dure d'ailleurs une plombe, hein. Mais on l'a pas encore uploadé. Là aussi, ça, j'ai des pièces qu'on a en coupe d'armure sur les mitrailleuses Halo, enfin sur les tourelles. Franchement, là, je suis assez impressionné, je vous avoue. Par contre, je me rends compte que j'ai une pièce que je n'ai pas. Ah, bah, mieux, bien sûr, oui. D'accord, j'ai pigé. On peut caser la pièce à l'avant telle quelle, hein, mais effectivement, il y a un trou dans la pièce, ce qui fait que. Voilà. Megablock fait les choses bien, donc vous allez devoir boucher le trou avec une pièce. Bon. Pas très important. Mais voilà le sens du détail et de la complétion. Si on peut dire ça comme ça. Comme ça, ouais, on va mettre ça bien droit. Hop là, à l'arrière, on va mettre cette magnifique pièce qui est une vitre de base, mais là on l'a rouge, entièrement peinte. Hein. Et qui va donner une bonne forme justement au modèle, je pense, une bonne forme courbée. Et donc au final, je pense que les défauts qu'on citait. Ah oui, effectivement, ça faut le mettre bien en avant les. Bah par contre, ouais, effectivement, il y a un espace de 3 là, donc je me demande comment on le met, si on le met au maximum ou si on le met. Bah, j'ai l'impression qu'on peut pas, ouais, on doit pas pouvoir le mettre au maximum. Bah, si on peut. Ouais, ok, ça se met comme ça, voilà. Je pense, hein, je pense pas que ça se mette au-dessus, on peut essayer. C'est à vous de voir ce que vous préférez, soit comme ça, soit un cran en dessous. Mais d'après le mode d'emploi. D'après le mode d'emploi, je ne sais pas du tout comment ça se met, donc comme ça vite vu. Bon, ok, je vais regarder vite fait le projet à l'arrière. Oh ouais, je pense qu'il se met à l'extrême du truc, ok, d'accord. Excusez-moi pour ça. Mais quitte à faire, autant être sûr. Voilà, donc ça c'est comme ça, hein, avec l'avant qui repart ici, et maintenant la tête, qui est franchement assez imposante, hein, très carrée par contre, très plate aussi, mais avec donc, des espèces de. Enfin, vraiment très. J'aime bien ce côté vraiment très carré personnellement, ça change vraiment beaucoup de la pièce de l'Azure Striker qui est un peu plus ronde, là on a un truc beaucoup plus brut, comme une espèce de gros bélier. Bon, là encore par contre c'est la fête, et ils nous mettent un espèce de 3. Alors que j'ai une pièce de. Ouais, bon, on va laisser ça comme ça, je pense que c'est la bonne façon. Voilà. Je mets ça comme ça. Oh, le personnage, il a un super. La tête est peinte au niveau des yeux, comme ça, c'est assez classe. Bon, ça fait un peu bal masqué aussi, mais c'est franchement très cool, je trouve. Et d'ailleurs, dites-vous bien que quand je recevrai le set, en fait, donc que j'ai commandé sur Amazon.fr, eh bien, j'aurai tous les bonhommes de cette vague-là, en fait. Voilà, j'aurai tous les. Oui, bah, tous les bonhommes. De l'Alliance et des Prédavors. Sorti dans la vague, hein, bien évidemment, car comme je dis, il manquera toujours un bonhomme de l'Alliance sorti en 2010, quoi. Donc voilà à quoi ressemble le bonhomme. Et donc on va mettre ça sur son speeder, et puis on va faire une petite photo de groupe, je pense. On va démontrer très rapidement. Donc ça, déjà, l'arme, vous pouvez la caser ici, donc grâce à la poignée, hop là, très classe. Je pense franchement que je préfère au speeder humain, celui-là. Je dois vous avouer que avec son design, je trouve qu'il est, il est un peu mieux en fait. Il est un peu mieux proportionné, je trouve. Ça peut un peu débile à dire, mais rien qu'avec les pièces comme ça et ces pièces comme ça et tout, on a quelque chose qui marche un peu mieux selon moi. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre ça comme ça, à ce niveau-là. Hop là, mettre les mains sur ces petites poignées.
Donc je vais mettre ça rapidement. Hein. De toute façon, je me demande qui regarde mes vidéos en entier. Elles durent aussi longtemps. La tête, bien sûr, est un peu compliquée à lever. Voilà, comme ça. Donc attendez, là je fais donc je mets ça et tout et je reviens parce que quelqu'un veut rentrer, je vais mettre mon petit panneau. Attendez. Voilà. Allez, on va boucler ça. Bien sûr, vous avez un modèle alternatif qui est une tourelle et donc qui se fera très rapidement vu que c'est la même base que le véhicule, que la tourelle de l'Alliance. Hein, donc vous prenez juste les mitrailleuses sur les côtés et les pièces comme ça, et donc bah, vous pouvez arriver à faire un truc très rapidement. Voilà. On va tout virer, tout ce qui n'est pas essentiel au bon déroulement de la selle. Tous ces paquets-là. La boîte, on va la virer aussi. Du Good Rider. Tous ces petits sachets-là, c'est très rigolo, mais on s'en fiche. Hop, hop. J'enlève rapidement les bonhommes, c'est assez rapide, hein. Il y a un coup de cutter dessus, et puis voilà quoi, c'est bouclé. Les œufs, on va qu'on va sortir quand même. Et puis ben voilà, donc franchement, il est franchement, le Blue Soul Raider est un très bon set, visiblement. Je fais sûrement une review, même si là, il n'y a plus grand chose à dire, hein. Je veux dire, franchement, pour ceux qui ont vu ça, je pense que vous pourrez vous épargner la review, car il n'y a pas voilà, grand chose de plus à dire là-dessus. Mais bon, par contre, ça me semble vraiment que dans tous les paquets, il y a à chaque fois le dragon orange, car il est tout pourri. J'ai déjà 10 000 fois. Enfin, je l'aime bien, mais je l'aime pas fois 10 000, quoi. C'est ça le truc. Et lui, bah, je l'ai vraiment fois 10 000, ce dragon-là. Franchement, c'est genre. C'est genre. Tu veux me faire un câlin? Non, merci, quoi. Voilà, donc, bien sûr, voir ça, c'est trois. Magnifique, tous les petits trucs comme ça. À enlever, hein, bien sûr, un packaging Mega Bloks, donc forcément ça tient, mais alors qu'est-ce que c'est chiant à enlever? Il va falloir les poser en plus. Bon, on va tous les mettre en position 4 pattes, je crois, parce que sinon c'est un peu la galère. Là, de toute façon, la plupart sont 4 pattes, hein, c'est assez chaud d'en avoir des bipèdes là-dedans. Et la plupart des bipèdes, des fois, ont un peu de mal à tenir, donc. Mais ça, je reparlerai dans une review. Par contre, j'ai l'impression d'avoir des beaux pen jobs là. Pas de peinture décalée ni rien, des lignes bien finies. Bon, j'ai pas eu de gros problèmes globalement avec ce que j'ai déjà et tout, mais c'est vrai qu'une fois on regarde de près, on a quand même quelques petites taches de peinture ici et là, ou des trucs un peu mal finis, mais bon, globalement, c'est acceptable. Après, je sais pas jusqu'à quel niveau de qualité on peut atteindre avec ces figures-là, quoi. Avec ces figures-là. Ces figurines-là. Merci mon anglais, tiens. Hop là, je se dégage aussi. On va mettre les œufs à l'arrière. Ouais, tu peux partir, toi, s'il te plaît. Merci, mon petit chou. Voilà, comme ça. Bah, tiens, t'as deux verres. Ouais, hop. C'est Noël déjà. On a du vert et du rouge. Regardez, c'est magnifique. J'espère que ça ne bugra pas, par contre. Ah, j'aurais dû mettre le pod, en fait. Oui, je sais, je suis très chiant. Oui. Je me suis dit qu'on allait faire un truc joli en plus, oui bah c'est bientôt Noël, voilà, hein. C'est l'esprit de partage. L'esprit de vous faire voir une belle image. Au pire, vous pouvez zapper jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez pas m'entendre parler, comme ça vous aurez la belle image. Et en plus, vous n'aurez pas affaire à moi qui cause de trucs. Mais faut l'utiliser, mais je fais pas beaucoup dans la vraie vie, il faut savoir ça. La petite pause de 3615 My Life. Qui connaissent le Minitel. Voilà, comme ça. Et on va devoir mettre 4 paquets, donc ça fait en tout 15 dragons, si je suis pas idiot. Donc, j'en mettrai un à l'avant. Non, je vais pas mettre lui à l'avant, non merci. Ça ira à quoi? Bah, je vais mettre le rouge, tiens. Le rouge, il est où? On a un véhicule rouge, on a un dragon rouge, donc on met rouge, voilà. C'est comme ça que ça marche, avec moi. Très carré aussi, donc c'est pour ça que j'aime bien la symétrie de Mega Bloks, hein. Donc, hop. Hop. Voilà, ensuite j'en mettrai deux autres ici.
Il y a tellement de trucs qui volent dans tous les sens que. Allez, 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 on dégage tout là. Oula, allez, c'est la fête là. Donc oui, mon cousin doit venir et pour oui, cette semaine-là, hein, normalement, hormis si Shadow va poster des vidéos, ce qu'il peut très bien faire, mais je ne sais pas souvent son planning, hein, mais qu'il poste des vidéos quand il a envie, quand il aime vraiment un transformeur en particulier, hein, voilà. Moi, je fais des vidéos avant tout pour alimenter le compte, on va dire, c'est comme ça. Tandis que lui, c'est plus voilà, pour le plaisir des fois de faire une vidéo sur ce qu'il aime, quoi. Je vais pas le forcer à faire des vidéos tous les jours sur tous les Transformers qu'il a, car on en aura aussi pour une bonne pas mal de temps, je pense. Hein. Ah bah toi mon petit chou, par contre, tu vas partir là-bas parce qu'on t'a déjà ici et on te veut pas trop, je crois. Hein. Voilà. Donc oui, tiens, c'est Noël bientôt. Il y a déjà les magasins qui foutent bien sûr des jouets déjà un mois à l'avance. Hein, donc, si vous avez des listes de Noël, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous voulez. Si vous voulez parler Dragon's Universe, tout ça. Si vous voulez venir, vous allez manger une pomme aujourd'hui, allez-y aussi, ça m'intéresse. Et donc, oui, effectivement, je sais pas trop si je parlerai du festival ou pas avant de poster les vidéos. Car ça aurait bien de faire un petit bilan de cette magnifique expérience que nous avons passé avec les d'autres membres de Bionifix et bien sûr des en tant qu'exposants et des membres qui sont venus nous dire bonjour, un petit coucou. Mais j'en tiendrai une assez bonne expérience, voilà. Tout de même. Lui aussi par contre d'ailleurs, si vous voulez savoir, j'ai les x2 ce dragon là avec les packs. Oula, alors lui c'est oula, c'est pas de folle comme tu dis à Shadow, ça c'est les pattes, oula, ça part dans tous les sens et tout, et je pense que lui il va rester posé, il va pas trop bouger d'un côté, tu me diras, avec le... Oula, est-ce que tu peux tenir au moins tout droit, s'il te plaît, mon petit chou? Voilà, t'es un ange, t'es un vrai ange, donc tu tiens comme ça, enfin t'es un dragon plutôt, mais c'est pas grave. Hop là, c'est la fête, ça. Donc là, normalement, il me manque... bah ouais, juste un dragon à mettre sur ce côté-là, donc il se vautre un peu sur le côté devant la caméra, c'est pas grave, hein, il essaye, le petit, il essaye. Mais bon, des fois, hein, vous savez, ça ressemble pas à grand-chose. Allez, comme ça. Ouais, cool, hein, un autre dragon. Ouais, par contre, c'est un peu dommage, pour la carte commune, j'aurais vraiment chopé la dernière carte commune qui manque. Du orange. Je serais fait comme ça, et puis bon, ouais, je veux dire, c'est pas censé être une rare, mais... c'est vrai que, d'après ce que j'ai vu, on a plus souvent des cartes de Predavor que des cartes de l'Alliance, dans les cartes communes. Enfin, je dis ça, je sais pas ce que j'ai eu par rapport à cette sélection-là, mais il me semble que, globalement, elle a aussi une belle peinture, mais aussi une patte un peu folle. Tout à fait, hein, oui, bien sûr, comme ça. Bah attendez, non, lui, je vais le mettre là, déjà. Donc ça c'est juste le pur plaisir de faire une petite photo finale, ça vraiment, c'est mon petit kiff à moi ça. Chaud, mais lui aussi c'est une patte folle ou quoi? C'est tous une maladie familiale ou quoi? Une génétique là, je veux dire? Ah comme ça, voilà. Ah. Un chouette petit coco avec une crête, hop là. Et enfin, vous allez voir le bout du tunnel. Mes chers admirateurs secrets. Oui, c'est la fin de la vidéo, je raconte n'importe quoi. Même au début, d'ailleurs, je disais n'importe quoi, mais bon. Bah, à la fin, ça commence à s'intensifier vers le grand n'importe quoi, voilà. Mais bon. C'est une vidéo live, hein. Si vous attendiez à la qualité, oui, non, mais toi, ton petit chou, t'es sympathique, mais tu tiens quand même, hein. J'avoue, t'es bien pas. Ok, d'accord, je sais pas ce que c'était que ça. Peut-être le réveil à mon frère, c'est génial. J'aime ce sentiment de dire, ah bon, là c'est comme ça, attends, les trois transparents que j'ai déjà, mais qu'on va quand même les mettre en avant. Surtout le petit coco rageur juste qui lui quand même me fait rendre l'œil, hein. J'ai quatre fois ses cartes, ah bah ses cartes d'ailleurs, ses cartes, des cartes, des cartes. Et je parle pas du philosophe. Encore une blague d'un niveau très intéressante, hein. Oh, ouais, bon, d'accord, je viens de me rendre compte que c'était pas la peine de chercher à tous les foutre là, je ne pense que je n'y arriverai pas. Pourtant, j'aime mes cartes, quoi. Tiens, cadeau, ça. Hop.
C'est vraiment mettre des cartes pour mettre des cartes, là, je crois. Allez, c'est cadeau. Donc, voilà l'achat du jour. Donc, 15. Non, même, y en a 6 en fait. Il y a 18 cartes là-dedans. 18 cartes. 15 micro-dragons, dont 3 transparents. Le Blue Star Rider, 6 œufs. Un magnifique pod aux couleurs des Predavors. D'ailleurs, j'ai pas vraiment parlé du Moon, mais ça, on en parlera dans la review, je pense. Et donc, voilà. Pour cette. Oula, excusez-moi pour ça. Hein. Bien sûr, je parle, il y a l'air qui rentre, et après, eh bien, c'est la vie qui fait son petit bonhomme de chemin, et je raconte n'importe quoi encore une fois de plus. Donc oui, donc on va rester là-dessus, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, questions, commentaires, allez-y, je vais pas vous retenir plus longtemps, et donc, eh bien, c'est tout, donc souvenez-vous, dans les 2 jours qui restent, on va parler Dragon's Universe encore avec 2 sets, aujourd'hui et demain, et donc la semaine prochaine, on revient avec du Lego, avec du Exo Force, voilà, et aussi du MOG d'ailleurs, donc le MOG, on avait des petits problèmes ici et là, mais ça revient la semaine prochaine, donc sur ce, bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, bonne journée, bon après-midi, bonne ce que vous voulez, portez-vous bien, et nous on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo review. Allez, à plus!